Good evening, viewers. It is News O'Clock by my studio time. Our top stories: with the private sector still struggling to be the major employer in Cameroon's economy, she must mitigate dependence on external services. This call has been made in a symposium organized in the economic capital, where locally manufactured goods or goods made in Cameroon are highly esteemed. Ines Pangang in this newscast shines a spotlight on how that went down. And in sports, Cameroon's football governing body has today, March 30, organized a crisis meeting to look into the lapses of the football sector. The crisis meeting had in attendance head coaches of various categories following the disqualification of the under-23 Lions. Olivier Mbuziko in this newscast tells us how that went down. And those were our top stories. Hello, viewers. Good evening. Thanks for watching tonight's primetime Balingo newscast on Spectrum Television, which begins on our economic page in the French language. Good evening, Lila. Bonsoir, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Le gouvernement camerounais veut impliquer le secteur privé dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Une implication qui doit booster l'import-substitution souhaitée par les pouvoirs publics. Le sujet au centre d'échange entre les entrepreneurs et le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire. Compte rendu, Ines Pangan. La place du secteur privé dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement doit être clairement définie. Sur la période 2020-2030, les entrepreneurs créateurs de richesses sont sollicités pour la réduction de la dépendance du Cameroun de l'extérieur et de la transformation des produits locaux de base. L'objectif principal de cette journée, c'est d'écouter. D'écouter les secteurs privés, les acteurs de l'économie nationale, de prêter un oreille attentif à leurs préoccupations, à leurs priorités et de s'assurer de ce que les politiques publiques élaborées par le gouvernement sont en conformité avec les souhaits, les vœux de ces acteurs du secteur privé qui sont aussi importants. Au-delà des propositions, les représentants des différents secteurs d'activité, interlocuteurs du ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, souhaitent passer à l'action. Quand nous avons eu à consulter le secteur privé, quand le ministre a annoncé son arrivée, 80% du secteur parlait de l'agro-industrie. Vous savez, on dit souvent chez nous, ventre affamé n'a point d'oreille. Nous pensons qu'il faut mettre les jeunes dans l'agriculture. Et le gros problème, c'est le problème terrien. Il faut se le dire. Une fois qu'on aura résolu le problème terrien, je pense que les jeunes peuvent se mettre dans l'agriculture. Et nous, au niveau du secteur privé, nous avons des moyens pour pouvoir transformer nos produits et faire en sorte que ces produits soient de bonne qualité et de bon prix sur le marché. La concertation restreinte, c'est ce 30 mars 2023 à Douala. Let's now listen to Minister Paul Tassong, Minister Delegate at the Ministry of Economy, Planning and Regional Development, who expounds on Cameroon's slow growth rate if certain modalities are not respected. If nothing particular is done, the economy of Cameroon will continue to grow at an average annual rate of about 5%. But if we have to continue to stay the course of emergence, respect the high instructions of the President of the Republic, we have to go look for extra economic growth points elsewhere. And where else to look than the private sector? Private sector whose main vocation is wealth creation, whose activities permit Cameroon's economy to become competitive. Yes, we are facing multiple headwinds, multiple shocks, and there is no doubt that even in the coming future, we continue to face even new shocks. There is no doubt about that. But then we have to be prepared. We have to provide the basics, what it takes for the economy to continue to be resilient, to be robust,
face to these multiple shocks. And to do this, we have to implement a two-pronged policy. First, we have to do what it takes to substitute the importation of some of the basic commodities that we import into Cameroon. And at the same time, we have to promote the exportation of what we produce in Cameroon. This is the thrust of the National Development Strategy, which calls on the private sector to play a more important role in the process of the development of Cameroon. You may want to recall that the objective of emergence shouldn't be a slogan. The hope is that by 2035, by the time we emerge, Cameroonian households, Cameroonian citizens should be able to feel the impact of this new status which we are dreaming of. And definitely, we can't get there without the private sector playing a more vital and important role. Talking about a competitive economy, a delegation of economic operators from Austria have today met with the Minister of Economy on possible areas of investment in Cameroon. Here are the high ends of today's encounter with Olivier Mbuziku. The object of the mission is that we want to increase the cooperation between Austria and Cameroon. We presented to the minister a couple of projects where Austrian companies are interested to invest and where we also get some financing from the Austrian government through different tools, be it soft loans or be it commercial loans. There has been agreed in Austria today in the Ministry of Finance the financing of an affordable housing project in the southern part of the country. We're going to build 350 houses as a starting point, because we want in the future not to produce the houses in Austria and bring the components here, but we want to build a plant here to make the exercise even more economical and also create jobs in the country. We were discussing questions of green funds that could contribute to reforestation and agriculture development in Cameroon. We were discussing the question of industrial planning to make the best use of the land for building up the industries. And finally, we were discussing about the chances that lie in hydropower, because Austria is one of the world champions in hydropower. We have the highest contribution of hydropower to our electricity supply of all the European countries. Cameroon has enormous resources in this field, and I think we found ways to identify the cooperation and to follow up. And now, after this starting point, we start to work. Thank you very much. Et environ 20 jeunes venus de plusieurs départements de la région du littoral ont bénéficié ce jour des équipements adaptés à la mise sur pied de leur projet. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'esplanade de la sous-préfecture de Douala 2 à Newbel plus précisément. Ces équipements sont adossés sur le financement du plan triennal spécial jeunes lancé en 2016 par le chef de l'État, Makedali Tinotio. 22 jeunes venus des départements du Vori, de la Sanaga maritime, du Mungo et du Nkem dans le littoral ont bénéficié ce 30 mars 2023 à Douala d'un appui de la délégation régionale de la jeunesse et de l'éducation civique du littoral dans le cadre de la mise sur pied de leurs différents projets. Des projets qui concernent les domaines comme l'élevage, la couture et autres pressings. Il y a aussi une brouette, une balance rubéval, une trousse à disséquer, beaucoup de matériel pour la porcherie. Ça va m'aider dans la porcherie, à permettre de prendre soin de mes porcs et tout et tout. Ce kit reçu aujourd'hui va me permettre de réaliser mes rêves, qui étaient entre autres de pouvoir mettre sur pied un pressing. J'ai reçu une machine à laver, j'ai reçu également un sèche-linge qui est de l'autre côté, et les autres accessoires
je vais les recevoir d'ici la semaine prochaine. Cette remise des équipements à ces jeunes rentre dans le cadre de l'implémentation du plan triennal spécial jeunes. Vous voyez la qualité des matériels, c'est du dernier cri. Ce n'est pas du matériel de seconde main. Donc il y a tout pour que ces jeunes réussissent avec l'accompagnement de mes collaborateurs de terrain et qu'ils puissent servir de success story pour les autres jeunes. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que l'accompagnement jusqu'à voir leur envol économique puisse se faire et qu'on dise également que le gouvernement de la République s'intéresse à l'insertion socio-économique des jeunes. Le plan triennal spécial jeunes a une enveloppe de 102 milliards. Le chef de l'État a été clair. Nous sommes autour de 11 000 projets déjà financés, Et dans le cadre du plan triennal spécial jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans la continuité de l'action de M. le ministre de la Jeunesse. Ici, c'est la vulgarisation de l'action gouvernementale. Et dans le cadre de la vulgarisation de l'action gouvernementale, nous avons pensé que M. le ministre est descendu pour donner des équipements aux jeunes de la QV 2022 et à certains de 2023. Sauf que nous sommes encore dans la suite de 2023. Et ceux de 2022 n'ayant pas eu leur équipement, nous avons pensé leur remettre leur équipement aujourd'hui et vulgariser l'action du ministre de la Jeunesse, mais surtout celle du chef de l'État. Une action qui est la concrétisation de la promesse du chef de l'État d'autonomiser les jeunes. Mon sentiment est un sentiment de satisfaction. Satisfaction parce que je suis le témoin privilégié de l'une des actions phares du chef de l'État à l'endroit de la jeunesse. Et je suis également le témoin privilégié de ce que le chef dit, il le fait. Vous n'avez qu'à voir vous-même le matériel qui est devant nous, dont je ne voudrais pas parler du coût, parce que je vous laisse vous-même apprécier non seulement la qualité du matériel qui est là, mais également la quantité. Nous avons pu nous rendre compte ici qu'il y a l'un de ces jeunes à qui on a décidé d'offrir toute une industrie en termes d'habillement. Décidé en 2016 par le président de la République, le plan triennal spécial jeunes vise à soutenir 1,5 million de jeunes au Cameroun à raison de 500 000 jeunes chaque année. And we now talk about an environmental concern, which is waste management and mismanagement. Achieving sustainable and environmentally sound practices of minimizing and managing waste is a theme for the International Day for Zero Waste observed today. Tonight, we look at waste management techniques in homes as well as in Cameroon's cosmopolitan city, Douala. Waste management in Douala, we have to think of Douala as being a cosmopolitan city which has the largest population in a city in Cameroon and which has the highest number of industries in Cameroon. So in looking at how waste can be managed in Cameroon, you have to look at how it can be best managed in homes and how it can be best managed in industries. Well, I would start from homes. Already in homes, we are trying with all the urban councils and the other institutions to see how we can institute a system of sorting at source. Sorting at source will mean that we get the population to put aside any packaging like bottles, plastic bottles, and like other cartons which are already being recycled by many industries here in Douala, and not to mix them with organic waste, the remains of food, and which damages this waste and makes them less valuable, and hand them in two packages to those who come to collect them. By so doing, they'll be doing one thing, they'll be helping first in doing a better management of this waste, but also helping in the development of industry. Now, going back to the industries, we can better manage this waste by instituting a system of collective waste management in the industrial zones where there are clusters of industries. They can agree together to come together to manage their waste together. It will be less costly and it will help them to valorize their waste, because you will see one industry generating just some little, let's take for example paper, less than 1 kilo of paper every day or every week. But if you have to think of them as 20 industries generating the same 1 kilo, you find out that you have 20 kilos, which is needed by a paper industry that is producing cartons. And if you handle this collectively, it will be better managed and
one company can easily come and collect them. So in industries, we are looking at collective waste management, which is supposed to be instituted. And that's actually what we are working into to make sure that the industries come together. They don't try to manage their waste individually, but they manage it collectively to reduce the cost on them, but equally to raise the quantity of waste that is being valorized in the various industries. Like, I want to remind everybody who might not know, we are recycling basically everything here in Douala. And what is lacking is the quantity of the type of waste that is being collected. Many industries are closing up because they're not finding paper, because they're not finding plastic bottles. So if industries come together to manage our waste collectively, they can easily supply these other industries with material. And this falls in line with the Ministry of Environment policy to institute a circular economy principle, which the minister, in trying to implement this, will soon bring up what we call the National Waste Exchange mechanism. En santé, la Journée mondiale des troubles bipolaires est célébrée ce 30 mars 2023. Un mal méconnu qui touche le système nerveux et se manifeste par un changement brusque d'humeur. La pathologie est classée 6e au rang mondial des handicaps selon l'Organisation mondiale de la santé. Inès Pangan. Le mal est peu connu au Cameroun. Pourtant, il est classé au 6e rang mondial des handicaps par l'Organisation mondiale de la santé. C'est une maladie qui touche le système nerveux et se manifeste généralement chez l'adolescent ou l'adulte. La modification de l'humeur chez le patient est le principal symptôme. En fonction de la sévérité de la maladie, les personnes bipolaires peuvent présenter des épisodes de dépression qui peuvent durer plusieurs semaines, mais aussi des saisons d'euphorie ou de forte irritabilité. Pour la dépression, on peut observer que la personne bipolaire est triste et a des idées pessimistes, elle voit la vie en noir et ça peut aller jusqu'aux pensées de suicide. Concernant l'aspect maniaque, c'est l'inverse de la dépression. Elle est caractérisée par une humeur euphorique associée à une hyperactivité physique. Le corps médical paraît d'accord pour affirmer que les troubles bipolaires ne surviennent que si trois facteurs de risque sont réunis, à savoir un terrain génétique propice, une hypersensibilité générale et la présence d'événements qui agissent comme facteurs déclenchants. La prise en charge médicamenteuse est possible, mais il peut s'étendre sur plusieurs années avant que le professionnel de santé propose de l'arrêter. Uniquement là, on peut considérer que le patient est guéri. And we talk religion, where fasting in this month of Ramadan is mandatory for teenagers and adults of the Muslim faith. This is not only proof of their faith, but a testament of their belief. Oni Ladonet completes that story. Fasting during this period of Ramadan is reserved for teenagers and adults only, as it not only helps strengthen their faith, but also serves as proof of their belief. Tout musulman est appelé à observer le jeûne du mois de Ramadan en vue de pouvoir. Every Muslim is called upon to observe the Ramadan fast so as to confirm their Muslim status. The source of Islam is the Quran. This fasting is prescribed in the Quran. Ce jeûne est prescrit dans le Saint Coran, dans la sourate 2, verset 183. Fulfilling these instructions through faith is a command set for faithfuls. Celui qui doit jeûner, d'abord c'est un appel que Dieu le Tout-Puissant Allah a lancé à l'endroit. For those who need to fast, it's a call by Allah to faithfuls. They have to have an internal faith in God to respond to His call. Islam is not a dress code. It's total submission to God's instructions. Ce n'est pas le nom qu'on porte, ce n'est pas l'habit que nous portons, mais c'est la soumission totale aux injonctions de Dieu. Fasting is done in different seasons of the year in line with the Egyptian calendar. Pour montrer l'universalité du message divin dont est porteur le prophète Mohammed et que tous les messages in order to understand the universality of the divine message Quran, transmitted by the prophet Mohammed, you will see that we fast in different seasons. Because the Egyptian calendar used is at the time of the prophet. De l'année, puisque le calendrier égyptien, le calendrier que nous utilisons est un calendrier
qui est établi à base de l'égir, c'est-à-dire de l'exil du prophète de la Mecque à Médine. Physical and spiritual benefits are reserved to all those who successfully complete this fast. Et avec VOA, on fait à présent le round-up de l'actualité africaine. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été condamné à 2 mois de prison avec sursis jeudi pour diffamation contre un ministre. Une peine qui préserve son éligibilité pour la présidentielle de 2024 selon ses avocats. Le tribunal a aussi condamné M. Sonko, absent à l'audience, à verser au ministre 200 millions de francs CFA, soit 300 000 euros. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a quitté hier le Ghana pour se rendre en Tanzanie et en Zambie. Elle a annoncé mercredi au Ghana une initiative d'environ 1 milliard de dollars pour améliorer l'émancipation économique des femmes en Afrique. Au Kenya, des manifestants affrontent de nouveau sporadiquement la police ce jeudi. 3e journée de protestation contre le gouvernement et l'inflation, mais la situation semble jusqu'ici moins violente que lors des 2 précédentes journées. Le Conseil de sécurité de l'ONU a fermement condamné mercredi les violences des groupes armés en RDC, y compris les exécutions sommaires, les violences sexuelles basées sur le genre, le recrutement et l'utilisation à grande échelle des enfants. Que se passe-t-il en sport à Yaoundé? Ce qu'on sait jusqu'ici, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Etofis, a convoqué une réunion de crise après les défaites des Lions Indomptables, équipe nationale et U23, contre la Namibie pour les poulains de Rigobert Song et contre les Gabonais pour les U23, alors que les réseaux sociaux s'emballent en folle rumeur depuis ce soir. Nos reporters à Yaoundé nous font savoir que pour l'instant, rien n'a encore changé. Le point avec Olivier Bouzique. Les Camerounais peinent à digérer l'échec des équipes nationales de football dans les compétitions internationales, la FECAFOOT non plus. Samuel Eto'o a convoqué les managers des différentes catégories ce 30 mars à Yaoundé pour une réunion de crise. Les échanges fermés à la presse, selon les journalistes sportifs, le président de la FECAFOOT serait très en colère. Vous voyez que l'ensemble des sélections nationales, c'est un échec. Et pour un dirigeant qui se veut responsable, il faut tirer les leçons. Cette réunion a sa raison d'être. Et je pense logiquement qu'au cours de cette réunion, il est question de tirer les leçons de cet échec collectif. Lyon a pris précocement éliminé du CHAN, U23, disqualifié du mondial, Lyon senior incertain pour la CAN Côte d'Ivoire, même l'équipe féminine ne rassure pas. Le cas qui préoccupe le plus à l'heure actuelle est celui de la sélection fanion de football du Cameroun. Je crois que, pour être honnête, pour être un tout petit peu sérieux, Rigobert Song, le manager sélectionneur, beaucoup sont unanimes qu'il n'est pas à la hauteur de la fonction qui lui a été confiée. Peut-être qu'il va falloir étouffer beaucoup plus le groupe ou alors simplement y remettre le tablier. On n'a pas la culture de la démission au Cameroun. Sinon, le premier responsable qui est le président de la Fédération camerounaise de football devrait logiquement démissionner. Bon, maintenant qu'il ne peut pas le faire, il a le devoir de mobiliser ses troupes. Pour certains, la solution viendra d'un changement de paradigme. Si on veut désormais les résultats, attend qu'on n'est plus dans cette volonté de vouloir des résultats à long terme. On veut plutôt des résultats à court terme. Là, la Fédération camerounaise de football devait donc prendre ses responsabilités pour changer, amener un nouveau souffle dans cette équipe nationale. Là. Samuel Eto'o et son staff ont donc du pain sur la planche. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, 20h, sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr, Dieu le veut, bonsoir. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Good evening to you, Leila. Good evening to you, viewers. And good night. See you tomorrow for the news.